louer toi, adore-toi avec un cri de reconnaissance, Seigneur Jésus. Oh, merci, papa, merci, Seigneur Jésus. Oh, laisse te dire, je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne peux pas t'adorer de loin. Attire-moi auprès de toi. Je veux être là. Floor.
Ce matin, l'Esprit-Dieu dit, lis un mot pour moi. Lis un mot pour moi là-bas afin qu'il nous gagne la vie. Oh, laisse-nous chanter ce matin. Lis un mot pour moi. Lis un mot pour moi là-bas. Lis un mot pour moi. Lis, donne-moi la vie. Oh, ça n'avance. Jésus vient ressusciter. Est-ce que tu Alléluia? Les pimos pour moi, les pimos pour moi là-bas, les pimos pour moi. Donne-moi la vie. Oh, ça n'avance. Oh, ça n'avance. Oh, ça n'avance. Jésus vient ressusciter. Tombe Olivier. Tombe Olivier. Tombe Olivier. Jésus vient ressusciter. La mort pas capable. La vie, la vie, la vie.
Belegenda, Shatarianta Rebeyanta, Shateke Rebeyanta, Shate Rebeyanta, Rabababababala. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Create a garden, Lord, with worship in our heart. We come before your throne. Together we proclaim. Ensemble, nous chantons de tout notre cœur. Yes, Lord. Yes, Jesus. Create a garden, Lord, with worship in our heart, we come before your throne. Together, together we proclaim. Jesus, God and Lord, we worship you in our heart. Worship in our heart, we come before your throne. Together we proclaim. Yeah.
Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous prenons nos places, nous babysitter. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire et l'honneur et la force et la puissance sont à toi, Seigneur. Et nous te souhaitons un grand bonjour ce matin. Et un plaisir et un étranger au milieu de nous qui vient de Sud-Afrique. We have a pleasure. We have among us our brother Ivan from South Africa. Acclame le Seigneur. Alléluia. You are welcome, brother. Maybe before going, you can greet the church. Okay? Alléluia. Et voilà mes frères et sœurs, alléluia. Nous retrouvons-nous dans la présence du Seigneur. Nous pouvons être ensemble aujourd'hui concernant la foi. We will look together about faith. Dans la parole de Dieu, il y a quatre places que cela mentionne le sus, les vivre par la foi. Nous trouvons ça dans Habacuc, le chapitre 2, le verset 4. Four places we see these verses that just shall live by faith. Habacuc 2:4, Romans 1:17, Galates 3:11, Hebrews 10:38. Et là, nous pouvons être Romains 1:17, que tu allais de nous, le juste vivra par la foi. Nous finissons justifiés par le sang de Jésus. We have been justified by the blood of Christ. Avant nous vîmes au Seigneur, avant nous vîmes en Jésus, nous t'y idolâtrie, nous t'y païen, nous pratiquons la vérité. Mais un jour, nous n'entendons pas de Jésus. Nous n'entendons l'évangile. Et le Saint-Esprit tous nous l'éclaire. We heard one day about the gospel of Christ, the kingdom of God. And the Holy Spirit convinced our heart. Et quand nous sentons cette conviction, nous donnons les cœurs. When the Lord convinced our heart, we give our heart to Him. Et quand nous donnons les cœurs, il appelle nous ses enfants. We are a child of God. Tu peux n'importe quel enfant de Dieu. Racheté, le juste, the just shall live by faith. Avec ce fléau de COVID, le monde finit de s'écouer. Le monde finit ébranlé. Et la Bible dit nous comme ça, qui dans le dernier temps, beaucoup pour abandonner la foi. Nous sommes capables d'apprendre à vivre avec la foi inébranlable. We must know how to live and to have an unshakable faith in a world that had been shaken. Nous devons apprendre la foi inébranlable, a solid faith, et la foi durable au milieu d'une incertitude. Il y en a beaucoup, mes frères et sœurs, alléluia, pendant COVID, je ne perdis la foi, je ne perdis confiance dans mon Dieu. Mais nous pisons, il y a la foi.
We must have faith in the Lord Jesus. Avec ceux qui testaient positif, se dit si l'un testait positif avec COVID, je peux dire isole. Garde distance. Those who have been tested positive with COVID-19, they have to be isolated. But I have news for you. Make sure that you test positive for faith. Sire qui nous positif dans la foi. Amen. Là-bas, je vous dis, nous, si ton test est positif, isole-toi, ferme-toi. Garde distance. Mais sire, make sure your test positive for faith. Et bien, quand un timon le test est positif, je te dis, garde distance. Et moi, je peux dire, keep distance from doubt. Garde distance avec doute. L'esprit de doute, il voyage autour de nous. Il est à la portée de tout timon. Doubt is everywhere. Spirit of doubt, they are there. Il n'a pas pour terroriser de la foi. C'est un homme de Dieu qui dit, doubt your doubt. Le doute n'a pas fini, mais doute-lui. Et Jésus dit, alléluia, si tu tires à cette montagne. The Lord explain about faith, about the power of faith. When he curse a tree, quand il maudit un arbre, et maintenant fin vini fin d'ali, maître, sans pied qui te maudit fin sec discaracine. Et Jésus dit, si tu n'as la foi comme la graine moutarde, if you have faith, small, like a mustard seed, if you say to this mountain, remove. And if you not doubt, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, résiste-toi dans la mer, si tu pas, douter dans tous les guerres. It's time to rise up in faith and say no to doubt. Doubt is a spirit. It's not from God. Le doute, c'est un esprit, il est venu pour terroriser, il est venu pour effrayer nous, pour faire nous toutes les promesses de Dieu. We have to release faith into the promises of God. Relâche-nous la foi dans les promesses de Dieu. Keep distance from doubt. Et je vous dis à nous, reste à distance. Et puis je vous dis à nous, eh bien, isole-toi. I want to tell you this morning. Je vais dire toi ce matin. Isole-toi de la peur. Isolate. Be isolated from fear. And trust God through all. And release the word of God. Relâche la parole de Dieu de toute la bouche. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. There's a difference between just and perfect. We are not perfect, but we have been justified by the blood of the Lamb. Nous venons être justifiés, eh bien, à travers le sang de l'agneau. Est-ce qu'on s'en nous calme, nous l'amène, nous dit, hallelujah. Mes frères et sœurs, nous venons être justifiés. We have been justified, hallelujah, hallelujah, by the blood of the Lamb. There's power in the blood, in la puissance dans disant Jésus.
beaucoup pendant cette COVID, pendant sa fléau-là, ceux qui n'abandonnent la foi pendant, eh bien, ce moment difficile. During this time, millions of people will depart from their faith in the Lord. Don't look back. Qui nous pas regarder à l'arrière, nous pas qu'être bonnes circonstances, alléluia. Beaucoup abandonnent la foi à cause d'une crise. Many are leaving their faith because of crisis. And they are living in constant fear. Je peux vivre dans la frayeur. Dans toute sa situation-là, de la foi, besoin grand et puissant. In all this situation, your faith may be always be bigger, whatever you are facing. Nous tous nous faire face à une difficulté, à une circonstance. Mais ce qui fait nous triompher, c'est la foi. Ensemble, il y a la foi. We have victory by our faith. One of the evidence that you are walking in faith is that you have peace. Si tu es dans la foi, tu as la paix. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? L'apôtre Paul il peut dire à l'église, examine-toi si pas tu es dans la foi. Si quatre places sont écrites dans la Bible, juste besoin vivre par la foi, mes frères et sœurs, quand nous trouvons ça répété, veut dire Dieu, il y a quelque chose d'important qu'il peut dire à nous. Quand nous faisons face à une crise, nous la foi soit les pour increase, soit les pour decrease. When you face a crisis, your faith will either increase or decrease. La foi et la peur, je ne suis pas capable de rester ensemble dans un équerre à la foi. Faith and fear cannot flow out of your heart at the same time. Faith and fear cannot live in the same house. La peur et la foi pas capable de rester dans même la case. Est-ce qu'il te donne la foi? Ta foi t'a sauvé. Your way, your faith. You will be healed by your faith. Tu peux être guéri par de la foi. Au fait, mes frères et sœurs, beaucoup, quand je regarde ces fléaux, je finis être traumatisé. La peur. Dans la prière, le Seigneur parle à mon cœur concernant le psaume 91. In my prayer devotion, the Lord spoke to me about Psalm 91. Dimanche prochain, je te pourrai flyers. Le Psalm 91. Et prends-le comme un médicament. In a moment, tous les jours, every time, every moment, read the Psalm 91. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, lui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, pour dire l'Éternel, toi-même, mon refuge, mon forteresse, moi, pas pour craindre les terreurs de la nuit. Dans ce Psalm 91, Dieu lui parle à son peuple. In this Psalm 91, the Lord speaks to his people. It is a powerful psalm where God releases his power, his blessing, his peace. Que là, Dieu, c'est un psaume puissant. Que là, Dieu lui relâche sa puissance. We have to declare this psalm on our life, on our destiny, on our house. Whole, on our family. Nous vous déclarons ce psaume dans nous, la ville où nous destinés. C'était un psaume de foi. Alléluia. Vous les partagez avec ceux the three keys. I want to share about the three keys of faith.
The first one, believe. Ensemble, je dis believe. Deuxième, confess. Confess and receive. Ensemble, together, let's say it together. Believe, confess and receive. Once more. En créole. Croire. Believe. Me croire. I believe. Croire. Et me confesser. I confess. Me confesser. Et me recevoir. The three keys of faith. How to receive our salvation and blessing. In the book of Romans, Romains, le chapitre 10, le verset 10 que t'as dit Paul, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Juste avant ça, mes frères et sœurs, alléluia, il dit, si tu confesses, si tu crois en te confesser, about our salvation, we believe first. N'est-ce pas? Concernant nous salut, nous croire avant. Nous pas confesser avant. Nous croire, quand nous croire, nous venons un croyant. Quand nous croire, une fraction seconde, nous venons un croyant, nous venons un enfant bon Dieu. When you believe in the Lord Jesus and when we confess his death and his resurrection, life. Quand nous confessons la mort, sa résurrection, disons-nous, alors tu seras sauvé. Then you will be saved. Believe. Le monde, c'est la foi pour dire, il faut voir pour croire. This type of faith, like the world will say, we have to see first, then we believe. But the Lord, the Bible say to us, we have to believe first. Nous puissions croire. Amen. Croire. Qu'importe quelle situation, qu'importe quelle circonstance, whatever circumstances, believe his word. Menace aux paroles. God is faithful to his word. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu l'infini déclare Amen, oui, and Amen. The Lord already declared yes and Amen to his promises. Believe, confess, and receive. Vous pouvez ajouter l'exemple typique dans la Bible. Two examples in the Bible. C'est comme David. David, il connaît la harpe. David, c'est un musicien. David is a worshipper. Avant les vins, les rois. David, il gardien le troupeau. Mais quand il trouve Goliath insulté, l'armée de l'Éternel, il n'est pas content. Il lève, il dit à lui-même. Bon, quand les rois Saül, il n'a l'apprendre que David au lait du bout. Or, Goliath, ça a eu le dire, vini, petit garçon. Prends vos armures. The king said to king, to David, come and take my armor. David refuse and declare, I will go in the name of the Lord. David dit, moi pour aller au nom de l'Éternel. Et quand une vigne devant Goliath, do you know, Goliath is a giant. Le Dieu de David plus grand Goliath. Le Dieu de David, the God of David is more powerful, greater than the Goliath.
Goliath dit, hey, tu peux venir avec moi? Est-ce qu'il y a un toutou ou un lycien? David qui dit, David say, to Goliath, I will cut your head and give to the bird of the sky. He believed first in the Lord. He believed. Then he confessed and he received. Est-ce qu'on s'en occupe de nous-mêmes? J'ai dit, hallelujah. Believe, confess, and receive. Deuxième exemple, the second example is in the New Testament about a woman with an issue of blood concernant la femme samaritaine. Ayant entendu parler de Jésus, l'in dit à lui-même, l'in croire, alléluia, si j'ai pu toucher le port de ses vêtements, je serai guéri. The woman with an issue of blood believe the Lord Jesus and he declare. Tu connais la Bible? Il y a une version qui dit l'étoile les peut faufiler dans la foule. He keep saying. Les peut continuer dire si je touche le bord, si je touche le bord de ses vêtements. Imagine, j'étais madame malade pendant 12 bonnes années. Ou bien jour la fièvre, une semaine la fièvre, ou pas manger, ou plate l'eau, Lili. Sa madame a 12 bananes. Une perte de sang. Une peine à la force. Une madame anémie. Une peine à la force. Pour faufiler dans la foule. Mais il continue à dire. The Amplified Bible said, she keeps declaring, if I only touch the garment, I shall be healed. Et que Marie touche le bord de ses vêtements, l'onction de Dieu release dans sa vie et les guérit. Confess. Believe first, then confess and receive. Je pourrais manquer, mes frères et sœurs, Jésus, il connectait la foi avec son retour. Jésus lui-même lui dit ça. Quand vous retournez, est-ce qu'il vous trouve la foi de la terre? Il connectait ça à nous l'époque. Avant l'événement du dernier temps. Faith connect you to Jesus when he returns. Faith bring the reality of God in our life. La foi y amène la réalité de Dieu dans nos vies. Bon Dieu peut lever une génération qui peut la foi inébranlable. God is raising up a generation that will have an unshakable faith in a world that is shaken. Le monde est secoué vraiment, mes frères et sœurs. Nous pouvons vivre au milieu, eh bien, d'un ébranlement. Beaucoup de choses finissent ébranlées. Mais nous, la foi, many have been shaken. Many things have been shaken. But our faith must be solid, durable. Malgré la circonstance. Est-ce qu'on s'en occupe? J'ai dit, hallelujah. Lève-nous la main et j'ai dit, hallelujah. Mon juste lui pour vivre par la foi. Regarde ça, Romains 10, 10. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est long. Ce que dit l'Écriture. Next. Quiconque croit en lui, qu'il dit,
li pa poutan confession. Donne-moi ça, déversé en anglais, à cause de frère Lila. Let's look to the English version. For we, the heart, men believe unto righteousness. What is righteousness? The Lord Jesus is right. And with a mouth, avec nous la bouche, with our mouth, confession is made unto salvation. For the scripture said, whoever believe on him shall not be ashamed. Tu pas putum dans la confession. You shall not be ashamed, my brother. The Lord has a bright destiny for you. Le Seigneur a une destinée brillante pour toi, mon frère. Qu'importe quelle situation nous traversons, mais le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours là. Confessez, déclarez. Alléluia. Believe, confess. L'étant Jésus fit maudit when the Lord cursed the tree and the tree dried from the roots. And the disciples came and said, Lord, look. Les disciples fin venir fin dire, Seigneur, voici sa pied de maudit la fin sec jusqu'à racine. And the Lord said, how the good kind of faith. Ena, la foi de Dieu. Ensemble, dire la foi de Dieu. Let's say together, la foi de Dieu. The good kind of faith. Amen. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Vous connaissez la foi peut germer dans cette équerre. La foi peut germer, qu'importe quelle situation. La victoire est pour toi. La victoire qui fait triomphe du monde, c'est nous la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Keep believing, keep trusting in the Lord. The Lord's plan is great. Ce plan est merveilleux. His plan is not our plan. Ce plan, ce n'est pas nos plans. He has a marvelous plan. Il code de l'équerre. Il y a un plan béni. Pour qu'il nous capable expérimenter sa bonne blessing là. Pour qu'il nous capable recevoir sa bonne blessing là. We must move by faith. Walk by faith and not by sight. Marche par la foi et non par la vue. On est terminé avec cette parole. I will close now with these words. Garde la foi. Keep faith. Garde la foi. Keep trusting in the Lord. When the doubt comes, refuse to doubt. Doubt your doubt. A man of God said these words. Doubt the doubt. Doute pas doute. Let faith arise in you. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Words spoken in faith create reality, so rise up. Rise up. Lève-toi dans la foi. Dieu l'y trouve de l'âme pendant la semaine qui passait. Dieu l'y dit à toi pendant sa semaine qui peut venir là. Il va pour pareil, ma semaine qui me passait. Il y a de grandes choses en réserve pour toi, pour ta destinée. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Keep believing. Keep believing. Keep trusting into his promises.
all things are possible to him that believe. Tout est possible à celui qui croit. Si tu es malade, si tu as un problème, si tu es dans une difficulté, mets-toi la main sur les cœurs. If you need prayer, put your hand up in your heart. We will pray. Seigneur Jésus, me place devant toi, tous mes enfants. Tous mes enfants bien-aimés qui n'ont besoin de toi. Seigneur, étends ta bonne main, Seigneur, alléluia. L'autre la vie, mon parcours, Seigneur, mon parcours, situation. Rien n'est impossible à toi. Relâche de la gloire, de l'onction, de guérison, de miracle. Le seul la vie au nom de Jésus, alléluia. Me les déclare, se guérir, alléluia. Couvert par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, la puissance de Dieu l'y relâcher, alléluia. Là, Seigneur, alléluia, tes enfants l'y étaient, le miracle l'y manifestait. Oui, parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton miracle, pour ton guérison, dans le nom de Jésus, alléluia. Et ensemble, Dieu l'y ramène. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous invitons des frères maintenant. Eh bien, pour connecter, alléluia, pour ramasser les offrandes dans le nom de Jésus. It's time for offering now, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Sois béni, sois loué, sois glorifié et sois exalté, Seigneur. Merci Jésus. En attendant, nous rappelons, nous prenons un service de baptême, écoute ça bien, nous prenons un service de baptême dernier dimanche de mois novembre. Ok? S'il y en a qui ken, parce qu'il y a un frère qui me dit, mon frère, moi les baptiser, mettez un baptême spécial. Nous pouvons faire le baptême. Remplis ton corps, nous prenons le baptême dans le nom de Jésus. Si je finis, tiens, je finance, mais je debout, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, nous rendons les grâces ensemble. Seigneur, nous rends-toi grâce. Nous dis-toi merci Seigneur, alléluia pour ton peuple. Merci Seigneur, alléluia pour cette offrande. Dans le nom de Jésus, me les loue et toi, me les bénis-toi. Bénis Seigneur cette